les ambassades n'ont qu'à savoir que ces sociétés existent dans leur base de données. Deux, que ça soit une ouverture pour ces entreprises au cas où ils veulent avoir du visa pour partir. Trois, c'est que ces consuls repartent chez eux, parce que chaque fin d'année, les ressortissants partent souvent pour fêter chez eux, qui repartent avec quelques produits de chez nous pour aller fêter. Et je suis très contente parce qu'effectivement, il y a des projets sur la table qui sont en train de se concrétiser. Et je pense que ADM Yilim voudrait que l'image des entrepreneurs togolais soient transformés en une image des entrepreneurs professionnels qui sont capables de proposer des produits et qui aujourd'hui acceptent leurs déficiences pour se faire former, pour être compétitifs aussi sur le marché, aussi bien national qu'international.